Ah oui, je cherche. Personne, je cherche. Personne. Oh oui, je cherchais partout dans ce monde. Je n'ai pas vu, il n'y avait ma personne comme lui. Ah oui, j'ai creusé. Personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, j'ai fouillé. Personne, fouillé. Partout, personne, fouillé. Dans ce monde, je n'ai pas vu. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, on y va. Fouillé. Personne, fuyez, personne. J'ai fuyé partout dans ce monde. Je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, notre Dieu. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme notre papa. Il n'y avait ma personne comme lui. Ah oui, je marchais, personne. Je marchais partout dans ce monde. Je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, je marchais partout dans ce monde. Je n'ai pas vu, il n'y a vraiment personne comme lui. Mais vous connaissez ce que c'est le péché, ce que le péché peut jouer, mes bien-aimés, comme rôle pendant la prière. Alors n'ignore pas tes faiblesses et ne te culpabilise pas. N'aie pas la mauvaise culpabilité de dire que, oh, moi là, je n'ai pas la force d'abandonner cette vie. Combien de fois j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Ne fais pas comme Judas Iscariote. Tu dis, je suis pourri, je suis fichi. Et que tu retournes dans le monde pour aller mourir des fois. Ne fais pas ça. Sois comme Pierre, pleurez dans la présence de Dieu. Reste là, avec tes saletés, avec tes habits sales. Sois comme cette femme pécheresse qui était taxée de tous les maux par les gens de ce monde. Les gens de ce monde nous taxent de tous les maux. Ah, toi aussi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu pries aussi toi. Moi, je ne crois pas à ta croyance, parce que tu es une femme pécheresse, parce que tu es un mauvais homme, tu es dans les péchés, tu es dans les saletés. On te condamne comme cette femme. Les gens peuvent te condamner, mais Dieu te regarde avec un œil favorable, comme il avait regardé cette femme. Pendant que les gens étaient en train de condamner cette femme, Jésus a dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Alors humilie-toi. Tu es devant ton Père, il ne peut jamais te rejeter. Demande pardon et demande la force qui t'aide de pouvoir abandonner ça. Prions au nom de Jésus. Papa. Oh, il va faire encore. Il va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Oh, chantons Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Le prodige, Dieu va faire encore. Il est puissant.
Non, 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 je n'en ai pas sera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Venez mes frères et sœurs dans la présence de Dieu et vous aurez la vie. Pourquoi s'accrocher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit élevé au-dessus de tous les noms. Gloire à Dieu. Nous sommes attelés sur la cinquième catégorie qui est aussi le dernier point que nous sommes en train d'aborder au sujet des faux prophètes. Et après cela, comme j'avais dit, nous allons parler sur les fausses doctrines, sur le mode opératoire et les signes qui caractérisent le faux prophète. Donc, je crois que la semaine qui commence, par la grâce de Dieu, nous allons déjà aborder. Je crois, si tout va bien par la grâce de Dieu, le samedi prochain déjà, nous allons toucher directement sur les modes opératoires et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Ne ratez pas ce point, donc sur les caractéristiques des faux prophètes, les signes qui caractérisent les faux prophètes et les modes opératoires. Ne manquez pas, mes bien-aimés, quand nous allons toucher sur ce point. Donc, soyez vraiment, que le Seigneur puisse vous accorder le temps de pouvoir être là pour écouter cela, parce que c'est important de pouvoir connaître leur mode opératoire et de connaître aussi leurs signes. Cela vous aidera beaucoup quand vous êtes en face d'un faux prophète, de pouvoir s'en éloigner. Alors, la cinquième catégorie de faux prophètes, nous avions dit que c'est ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes sans appel divin. Alors, nous avons identifié cinq aspects concernant le ministre autoproclamé ou nommé par des hommes sans approbation divine. Donc, on a énuméré au moins cinq aspects. Le premier aspect ou le premier point que nous sommes en train d'aborder, c'est au sujet des ministres d'iniquité. Donc, ce sont des gens qui se sont autoproclamés ministres de Dieu sous l'influence de l'esprit de Satan pour commettre l'iniquité. Ça, c'est le premier aspect de ces cinq points que nous avons énumérés au sujet de la cinquième catégorie des faux prophètes. Donc, nous avons dit que le premier point, ce sont des ministres de l'iniquité. Donc, ces gens se sont autoproclamés ministres de Dieu sous l'influence de l'esprit ou sous l'influence démoniaque pour commettre de l'iniquité. Alors, nous avons dit que l'iniquité, parce que j'avais d'abord expliqué ce que c'est l'iniquité selon la parole de Dieu. L'iniquité, c'est quoi? Nous avions dit que l'iniquité, c'est le péché. Ce n'est rien d'autre que le péché, mais pas comme un simple péché, mais c'est un péché plus grave, un péché grave. L'iniquité, selon Nombre chapitre
15, verset 30 à 31, est considéré comme étant un outrage. Vous comprenez? Un péché blasphématoire envers Dieu. Si vous lisez ce passage, vous allez voir ça. Nombre 15, 30 à 31. L'iniquité est considérée comme étant un péché grave, un péché très très grave. C'est un outrage. C'est un blasphème ou un péché blasphématoire envers le Seigneur de gloire. Ce type de péché, d'après la loi de Moïse, était impardonnable. Et la seule sentence pour celui-ci était la mort. Donc, une personne qui a commis un tel péché n'avait pas droit à la vie d'après la loi de Moïse. Donc, la seule sentence qui était accordée à une personne qui a commis un tel péché était la mort. Donc, c'est pour dire que l'iniquité, ce n'est pas un petit péché, ce n'est pas un simple péché, mais c'est un péché, mes bien-aimés, très très grave aux yeux de Dieu. Je suis allé là-bas pour nous signifier que quand la Bible parle des ministres de l'iniquité, cela veut dire que ce sont des gens qui sont en abomination aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des gens que le Seigneur ne connaît pas. Ne connaît pas en tant que ministre. C'est-à-dire, ces gens-là commettent ce qu'on appelle les péchés en outrance ou les péchés très graves aux yeux de Dieu. Alors, pour pouvoir comprendre la gravité de ce péché, j'avais évoqué des exemples dans la Bible. Le premier exemple était Ésaïe 10, versets 1 à 2. La Bible nous parlait du comportement de dirigeants corrompus qui oppriment le pauvre, prescrivant des lois d'iniquité, des lois injustes pour dépouiller les indigents de leurs biens et les dépouiller les indigents de leurs droits et les priver de leurs biens. D'après cette écriture que j'ai donnée d'Ésaïe, chapitre 10, verset 2. Donc, c'est le comportement des chefs, c'est le comportement des autorités, c'est le comportement des dirigeants corrompus qui oppriment, qui oppressent le pauvre, le malheureux, le misérable. Ils prescrivent des lois d'iniquité, ils prescrivent des lois injustes, des décrets d'iniquité pour pouvoir dépouiller ces derniers ou des pauvres de leurs droits et les priver également de leurs biens. J'avais dit par rapport à cela que c'est le comportement que nos autorités, ceux qui nous dirigent dans nos nations, ont. Parce que nous avons des lois qu'on appelle des lois d'iniquité. Donc, c'est-à-dire qui nous ravissent tous nos droits. C'est-à-dire, le peuple ne peut rien dire. Même ceux qui nous présentent dans les parlements, en réalité, ces gens-là ne nous présentent plus. Vous voyez? Donc, ils privilègient dans les parlements les intérêts de leur parti politique. Regardez dans nos nations, mes bien-aimés, tous nos députés, que ce soit les sénateurs. Donc, ils siègent dans les sénats, ils siègent dans les assemblées. Ce n'est pas pour pouvoir réclamer ou voter des lois du peuple, parce que le peuple qui les a mandatés, qui les ont envoyés là-bas. Mais regardez toutes les lois que nous avons. Regardez toutes les lois qui sont votées dans nos parlements. La majorité, ce n'est pas vraiment pour notre bien. Ce n'est pas pour notre faveur. Regardez les taxes que nous payons dans nos pays. Il est vrai, il faut payer les taxes à l'État. Il faut payer les tribus. Mais regardez toutes les taxes que nous avons, les sommes que nous payons. Vous allez voir que quelqu'un il a reçu un salaire. Mais quand il va enlever les impôts, il va enlever surtout ceux qui ont des entreprises, il va enlever, voilà, en France, c'est l'IRSSAF, ici en Suisse, je ne sais pas quoi. Ils vont enlever tous ces taxes, tous ces droits, et après, la personne reste avec rien. Regardez la somme que nous payons pour les assurances maladie. Que vous tombiez malade ou pas, vous devez toujours payer.
Et si vous ne payez pas, vous serez poursuivi. Voyez tout ça là. Alors, en Israël, c'était aussi pareil. Il y avait des lois qui étaient votées au sein de cette nation. Parce qu'il faut comprendre qu'en Israël, il y avait au moins trois différents types de lois. Il y avait des lois morales. Les 10 commandements, ça faisait partie des lois morales. Il y avait des lois cérémonielles qui étaient liées au sacrifice. Et puis, il y avait des lois sociales. Les lois sociales étaient des lois comme des lois que nous avons dans nos pays, les lois qui nous dirigent. Et ce que le Seigneur est en train de dire ici, ça faisait partie des lois sociales. C'est-à-dire, on avait voté des lois qui retiraient le pauvre tous leurs droits et les privaient également de leurs biens. Alors, ce genre de loi était considéré comme étant des lois d'iniquité. Regardez dans nos pays, ceux qui sont plus malheureux, ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres, ce sont les indigents. Ce sont les pauvres. Ils n'ont pas droit, voilà, à ceci, ils n'ont pas droit à ceci. Ils croupissent dans la souffrance. Alors, donc vous voyez que ce genre de loi était considéré comme état des lois d'iniquité. Donc ce sont ces genres de comportements aux yeux de Dieu qui étaient considérés comme de l'iniquité, des péchés graves. Vous allez remarquer maintenant par rapport aux faux prophètes, donc quand nous parlons par exemple des ministres de l'iniquité, il s'agit bien, comme je viens de dire, des gens qui se sont autoproclamés ministres de Dieu sous l'influence démoniaque. Vous comprenez l'influence démoniaque? Pour quel objectif, pour quel but? Pour pouvoir dépouiller également, voyez, les enfants de Dieu de leur richesse, de leur bien, au nom, entre guillemets, de la loi divine, ou si vous préférez, de l'évangile. C'est ça ce qu'au fait ces gens font. Donc, c'est au nom de la parole de Dieu, au nom de l'évangile, que les enfants de Dieu sont dépouillés de leurs richesses. Attendez, quand je vous parlerai des signes, je vous expliquerai le mode opératoire de ces gens, comment ils opèrent, comment ils fonctionnent. Mais bien aimé, ça va vous estomaquer. C'est horrible. Si je pouvais même peut-être accorder à certaines personnes que je connais de pouvoir passer en ligne pour pouvoir témoigner, ceux qui ont connu chez ces gens. Vous voyez, il y a des gens qui ont été abusés par des faux prophètes. Je connais quelques cas qui ont été escroqués par les faux prophètes. Il y a des sœurs qui ont été abusées par des faux prophètes. Il y a des frères qui ont été arnaqués par des faux prophètes. Je connais pas mal de cas. Je pouvais même passer en ligne. Je crois que si le Seigneur nous permet, on fera cela. Pour que vous compreniez que, mes bien-aimés, nous sommes en train de dire des choses vraies. Donc, au nom de la loi divine, au nom de la parole, ces gens-là sont en train de tordre l'essence des Écritures pour pouvoir arnaquer. Je crois que la deuxième catégorie de faux prophètes, je vous avais expliqué ici, c'est des arnaqueurs. Donc, ils utilisent la parole de Dieu comme un appât pour pouvoir piller les enfants de Dieu. Alors, j'avais également évoqué un deuxième exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, où Jésus refuse catégoriquement de reconnaître les ministres de l'iniquité. Ces gens qui ont accompli les miracles en son nom, qui ont prophétisé et chassé les démons en son nom, ils étaient eux-mêmes proclamés ministres de Dieu sans avoir été appelés par le Seigneur. Le Seigneur l'ignore. Le Seigneur ne les reconnaît pas. Si vous lisez dans le verset 23 du chapitre 7 du livre de Matthieu, le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur est en train de dire que je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc vous comprenez ces gens qui réclament ici au Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Le Seigneur dit, vous étiez des ministres de l'iniquité. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est le premier point que nous sommes en train d'aborder. Le Seigneur dit que vous étiez les ministres de l'iniquité. En d'autres termes, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu? Dans un autre langage, c'était des gens qui étaient autoproclamés et même serviteurs de Dieu. Dans la prédestination, le Seigneur ne les reconnaît pas tant que ses ministres. Ce sont des gens qui ont falsifié la parole pour pouvoir dérober les enfants de Dieu de leur bien, dépouiller les enfants de Dieu de leur richesse. Dans la présence de Dieu, le Seigneur ne les reconnaît pas. Parce qu'il faut comprendre, selon l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 29 à 30, le Seigneur reconnaît ses ministres depuis la prédestination, depuis la fondation du monde. Si vous lisez ces passages, vous allez voir que la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La Bible dit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. L'appel au ministère, l'appeler. Donc, c'est-à-dire, avant d'être appelé, il faut être reconnu depuis la prédestination, depuis la fondation du monde. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il faut que tu sois reconnu en tant que ministre de Dieu pour pouvoir être appelé. Mais tandis que ces gens, le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, le Seigneur dit, dans la prédestination, moi, je ne vous reconnais pas en tant que mes ministres. Vous êtes des ministres de l'iniquité. Dieu connaît ses ministres dès la fondation du monde. Des ministres d'iniquité, des ministres autoproclamés, sont en réalité des ministres de Satan. Car ils ne travaillent pas pour sauver des vies, mais plutôt pour les conduire en enfer. Retenez cela. C'est important. Le rôle de ces gens, le rôle des ministres d'iniquité, ces gens qui sont autoproclamés serviteurs de Dieu, ils ont un rôle, mes bien-aimés, machiavélique, un rôle, mes bien-aimés, démoniaque, parce qu'ils ne travaillent pas pour le Seigneur, parce que le Seigneur ne les reconnaît pas tant que ses ministres. Mais mes bien-aimés, ils sont là, ils sont poussés, animés par l'esprit de Satan, mes bien-aimés, pour pouvoir amener plusieurs âmes en enfer. Au moment où nous sommes en train de parler là, ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils plairent au nom de leur pasteur. Il y a des gens qui plairent dans l'au-delà en enfer au nom de leur berger. Seigneur, moi je croyais qu'il était ton serviteur. Moi je pensais qu'il était vraiment un vrai pasteur. Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Je souffre ici. Je t'ai servi dans cette église. Moi, je ne savais pas qu'il était un faux prophète. Il y a des gens en enfer. Il y a des gens dans l'au-delà qui pleurent au nom de leur pasteur parce qu'ils les ont menti. Des ministres de l'iniquité. Ils travaillent pour l'intérêt de Satan. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt du Seigneur, mais ils travaillent pour accompagner des âmes en enfer. Ils se sont autoproclamés. Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Dans ma présence, je ne vous connais pas tant que mes ministres. Vous êtes des ministres de l'iniquité. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Le Seigneur dit, ministres de l'iniquité. Ce sont ces gens-là que vous voyez, mes bien-aimés, avec des toges, avec des cannes dans la main, avec des chauffards, avec des talites. Attendez, quand je vous expliquerai ces choses, je vous donnerai des signes tangibles. Avec des épées, ou soi-disant l'épée de Salomon, soi-disant l'épée de Gédéon. Quand vous entendez cela, mes bien-aimés, vous voyez un serviteur de Dieu qui dit, l'épée ici que je tiens, c'est l'épée de Salomon. C'est l'épée de Gédéon. Ce sont ces gens-là.
Ça, ce sont des signes de la Kabbale. Ils accomplissent tant de miracles. Pendant la prière, quand vous entendez, maintenant j'active les anges. Les anges sont opérationnels. J'active. Quand vous entendez ça, mes bien-aimés, ce sont ces gens-là. Ils ont souvent des langages comme ça. Attendez, quand je vous parlerai des signes. Quand vous entendez ces mots dans la bouche d'un serviteur de Dieu, c'est un kabbaliste. Parce qu'il travaille avec 72 génies. Attendez, quand je toucherai ce point, je vous expliquerai cela. Les 72 génies de la Kabbale. Ce sont ces anges-là qu'ils activent. Quand vous entendez ces mots, j'active les anges. Les gens se sentent là. Mais bien aimé, je vous parlerai. Ces 72 génies de la Kabbale sont subdivisés en 4 branches. 18, 18, 18. Et je vous expliquerai pourquoi sont subdivisés en 4 branches. Des ministres d'iniquité. Ils accomplissent tant de miracles. Ils font tomber les gens. Autoproclamés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. La Bible dit quoi? Se proclamant lui-même Dieu. Personne l'a donné ce ministère. Personne l'a nommé. Mais lui-même, il se nomme. Lui-même, il s'improvise. Il se proclame. Il se proclame Dieu. Et on parlait d'un adversaire. L'adversaire de Dieu, vous le connaissez, c'est le diable. Et il est également notre adversaire, comme l'apôtre Pierre le dit. Si vous lisez dans 1 Pierre 5, 8, votre adversaire, le diable. Le diable est l'adversaire de Dieu, il est aussi adversaire des enfants de Dieu. Maintenant, ici, la Bible dit, il se proclame lui-même Dieu, alors que Dieu ne l'a pas créé pour pouvoir être Dieu, mais pour pouvoir être un ange, un chérubin, un chanteur. Mais il dit, non, moi je ne suis pas un chérubin, moi je ne suis pas un ange, mais moi je suis un Dieu. Il se nomme lui-même Dieu. Verset 6, l'apôtre Paul dit, et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils paraissent qu'en son temps. Donc ici le diable, en tant qu'esprit, la Bible dit qu'il se proclamera lui-même Dieu. Mais l'apôtre Paul lui dit qu'il y a quelque chose qui le retient pour pouvoir paraître à son temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un temps où le diable va apparaître dans ce monde. Mais il ne va pas apparaître, faire son apparition dans ce monde en tant qu'esprit. Mais il va apparaître dans ce monde en tant qu'un faux messie. Donc, pour pouvoir paraître dans ce monde en tant qu'un faux messie, qu'est-ce que le diable fera? Il va posséder un corps. Le corps de cet homme qu'on appelle l'Antichrist, ça sera un homme en chair et en os. Le diable va incarner cet homme. Il viendra comme quelqu'un qui viendra régler pas mal de soucis. Mais bien aimé, laisse-moi nous dire ici par rapport, je vais sortir un tout petit peu dans notre sujet pour parler un tout petit peu de la prophétie. Tout ce que vous êtes en train de voir à travers le monde, ce qui s'est passé ici en France, dans la place publique, mes bien-aimés, de Paris, vers les Tours Eiffel, pendant ces Jeux Olympiques, tout ce qu'on nous a montré pendant ces gens, durant ces Jeux plutôt, mes bien-aimés, comme je nous avais dit, c'est un message que le monde des ténèbres ont donné au monde. Les initiés, ils avaient déchiffré, ils avaient, mes bien-aimés, compris ce que ces gens-là voulaient passer comme message. Nous, les enfants de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous avons compris ce que ces gens-là voulaient passer comme message. Les cavaliers qu'on avait montrés au monde, qui étaient en train de faire son entrée, et tous ceux qui étaient là, avaient fixé leur regard vers ces cavaliers pour pouvoir l'accueillir. C'est comme cela que le monde va accueillir l'Antichrist. C'était un message fort
Parce que c'est le cavalier dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Le cavalier que le monde attend, c'est l'Antichrist. Dernièrement, le président de la France avait bien dit dans une interview que les bêtes de l'événement arrivent. Et après quelques temps, on a vu dans une image, on a montré un cavalier qui fait son entrée, mes bien-aimés, pendant que les gens tous étaient debout en train de regarder comment les cavaliers étaient en train d'arriver. On a encore montré au monde l'image d'un veau, que les gens étaient en train d'adorer ce veau. Exode 32. On a rejeté l'Éternel pour pouvoir rendre un culte à un veau. Or, une idole n'est pas quelque chose, déclare la Bible, mais une idole est un démon, était Satan. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. Non, vous pouvez lire à partir du verset, je crois, 10, 15, vous descendez. Et il y avait une dame qui avait joué le rôle de cet acteur britannique qui s'est attribué le rôle de Jésus. Une dame, ces gens-là qui jouent le rôle de papa, qui aiment cette histoire de papa, papa, maman, maman, qui ont blasphémé contre les repas du Seigneur. Tout ça, ce sont des signes. Les guerres que vous êtes en train d'entendre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui est en train de s'intensifier entre la Palestine et l'Israël, ce qui se passe en Syrie, à Yémen, entre le Rwanda et la RDC. Mes bien-aimés, tout ça, ce sont des signes majeurs qui annoncent la venue de cet homme. Celui que nous sommes en train de lire tout à l'heure là avec vous, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 11. La Bible dit que cet homme, il y a quelque chose qui le retient. Mais il va apparaître en son temps. Cet homme ne peut pas faire son apparition, mes bien-aimés, s'il n'y a pas tous ces désordres que nous sommes en train de voir à travers le monde. Parce que s'il y a du calme et qu'il apparaisse comme ça, les gens vont le détecter directement, vont comprendre que ah, c'est lui. Parce qu'il faut comprendre que cet homme, cet antichrist, quand il fera son apparition, il viendra, mes bien-aimés, avec des objectifs, avec des missions. Sa première mission, il viendra comme étant un homme de paix pour pouvoir gagner le monde entier. Parce que quand il fera son apparition, parce que vu qu'il a peu de temps, parce qu'il va travailler pendant 7 ans. Maintenant, comme le temps est imparti, donc il va faire de sorte que quand il va faire son entrée, parce qu'il va travailler arrache-pied, il faut qu'il gagne du coup le cœur du monde entier. Qu'il soit accepté au monde entier. Donc sa première mission pour qu'il puisse être accueilli, pour qu'il récupère le cœur des habitants de ce monde, il viendra d'abord, selon son cahier de charges, comme étant un homme, une personne de paix. C'est-à-dire, tous les désordres que vous êtes en train d'entendre à travers le monde, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il viendra mettre un fin à cette guerre. Les problèmes qui est entre la Palestine et l'Israël, il viendra mettre un terme à cette guerre. Ce qui se passe entre les Rwandais et la RDC, il viendra mettre un terme. C'est-à-dire, tous les désordres que vous connaissez dans ce monde, les racismes, tout ça, il viendra, mes bien-aimés, éradiquer tous ces soucis. Les pays qui sont endettés à la Banque mondiale, il va payer leurs dettes. Tous ces pays pauvres, qui n'ont pas des infrastructures, il viendra, mes bien-aimés, donner de l'argent à ces pays-là. Parce que il sera un riche. Regardez le miracle que Hitler, qui est l'image de l'Antichrist, qu'il avait fait en Allemagne. Les gens se demandaient où ces messieurs avaient récupéré tout cet argent pour faire des infrastructures, pour pouvoir améliorer tout d'un coup comme ça la vie de ses citoyens. Les Hitler, les Staline, ces gens-là sont l'image de l'Antichrist. L'Antichrist, mes bien-aimés, fera plus que ces gens.
Il fera des miracles. La Bible dit ici, il fera des miracles. Les miracles là, ce n'est pas guérir les malades. C'est-à-dire, il va créer, c'est-à-dire, ce qu'il va faire dans ce monde, ça sera des prodiges. C'est-à-dire, il va développer, faire développer les pays pauvres. Il va leur donner de l'argent, mes bien-aimés, sans entendre quelque chose en retour. Il va leur donner gratuitement. Vous entendez comme certains pays, comme les États-Unis, des fois la France, des fois il dit à un pays qui est endetté, et il dit, bon, voilà, nous vous laissons cette dette, nous avons effacé cela, vous n'allez plus payer. Lui, il va faire ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'il sera accueilli au monde. Il sera, voilà, aimé aux habitants de ce monde. Et il va faire ça, la Bible dit, pendant 3 ans et demi. Quand il va, mes bien-aimés, s'enraciner, il va, voilà, être aimé au monde. Il va prendre vraiment place dans le cœur des gens. Et c'est à ce moment-là, la Bible dit, au milieu de 7 ans, il va tourner sa veste. Il va faire des choses les plus abominables. Des choses qui n'ont jamais eu lieu dans ce monde et qui n'auront jamais eu lieu. Il va blasphémer le nom du Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ici, il va faire l'apparition, mais il va apparaître à un temps précis selon la prophétie. Et le temps que cet homme, cet antichrist fera son apparition, selon la Bible, ne sera-ce qu'après le départ de l'Église. Parce que la Bible dit, il y a quelque chose qui les retient. Pour qu'il fasse son apparition. Or, ce qui les retient, c'est le Saint, celui qui les retient plutôt, c'est le Saint-Esprit et l'Église. C'est-à-dire, parce que c'est l'Esprit qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit à travers l'Église qui empêche l'apparition de l'Antichrist. Maintenant, mes bien-aimés, c'est pour cela que vous allez entendre Jésus dire, vous êtes les sel de la terre. Vous voyez? Donc, le rôle du sel, c'est quoi? C'est de pouvoir arrêter la pourriture, arrêter la putréfaction. La pourriture, c'est l'antichrist. Parce que quand il fera son apparition, il viendra pourrir le monde. Maintenant, nous sommes comme du sel. Nous sommes en santé de retarder la putréfaction, la pourriture. Mais maintenant, une fois que l'Église va quitter la terre pour aller à la rencontre de son épouse, dans les airs, et c'est à ce moment-là que cet homme-là fera son apparition. Et laisse-moi nous dire, mes bien-aimés, c'est très très bientôt. Ce qui s'est passé, mes bien-aimés, via ces Jeux Olympiques, mes bien-aimés, ces gens-là savent que c'est très bientôt parce que tout est déjà mis en place. Ils ont déjà préparé, mes bien-aimés, la place pour cet homme. Cet homme sortira peut-être aux États-Unis ou soit en France. Mais plus moi, je suppose, je vois souvent, il sortira des États-Unis d'Amérique. Parce que c'est là-bas où on voit un dirigeant qui a des casquettes. On les voit du côté politique, on les voit aussi du côté religieux, en tant que chrétien. Parce que l'antichrist viendra comme étant un homme politique, il aura ses casquettes. Et puis, entre-temps, il aura aussi ses casquettes d'un religieux. C'est aux États-Unis que moi je vois ça. Parce qu'il y a un homme là-bas qui a ses deux casquettes. On le voit comme chrétien, on le voit aussi comme étant un homme politique. Jetez son nom. Mais vous le connaissez. L'apôtre Paul lui dit, et maintenant vous savez ce qu'il retient, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin qu'il paraisse qu'à son temps, le temps qu'il apparaîtra, mes bien-aimés, quand l'Église partira en enlèvement. Mais dans le verset 7, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Donc vous comprenez, ici l'apôtre Paul lui dit, il parle du mystère de l'iniquité, comme on vient de dire, de l'iniquité. Donc le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Mais l'apôtre Paul dit, il faut seulement celui qui le retient encore et disparaît. Verset 9. L'apparition de cet impie ou l'apparition de l'antichrist, retenez que tout ça, ce sont ses appellations. On l'appelle adversaire, on l'appelle impie, on l'appelle antichrist, on l'appelle l'homme du péché, on l'appelle la bête. Toutes ces appellations-là, c'est toujours lui. La Bible dit l'apparition de cet impie,
se fera par la puissance de Satan. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, cet homme ne paraîtra pas de lui-même. Il ne va pas faire son apparition parce qu'il veut, voilà, diriger. Non! Il sera mandaté par les diables. C'est pour cela, dans le verset 4, l'apôtre Paul parle de l'adversaire. Or, nous savons tous que l'adversaire de Dieu ou l'adversaire des chrétiens, c'est le diable. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable. Maintenant, le diable fera quoi? Il va incarner le corps de cet homme. Et pour cela, l'apôtre Paul, ici, pour nous signifier que cet homme ne viendra pas, ne fera pas l'apparition de lui-même, mais c'est le diable qui va incarner son corps et c'est le diable qui sera le metteur en scène. Tout ce qui va se passer à travers le monde, tous les actes que cet homme-là va poser, c'est le diable en réalité qui sera le metteur en scène. La Bible dit, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, comme je viens de dire, et des prodiges. L'objectif de ces miracles, l'objectif de ces prodiges, l'objectif de ces signes, l'objectif de tous ces prodiges mensongers, la Bible dit quoi? Dans le verset 10, avec toutes ces séductions de l'iniquité, ne sera-ce que de la séduction de l'iniquité. Pour qui? La Bible dit pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Or, selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 à 9, vous connaissez la Bible dit quoi? Au milieu d'une flamme de feu, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui désobéissaient à l'évangile de Christ. Donc, c'est-à-dire, il fera son apparition pour ces gens-là. Donc, c'est-à-dire, pour les païens, il viendra les séduire. Même ceux qui ont rejeté, par exemple, il y a des chrétiens qui rejettent délibérément la vérité. La Bible dit, pour ceux qui n'obéissent même pas à l'évangile de Christ, il fera son apparition pour ces gens-là. Il va les séduire, les chrétiens qui aiment les miracles, qui suivent Jésus pour les miracles. Il fera son apparition pour ces gens-là. Donc, vous comprenez que ce monsieur viendra en tant qu'un faux messie. Il sera accueilli dans ce monde en tant qu'un faux Christ. Mais retenez, toutes les caractéristiques qui étaient au vrai Messie, ce Messie aussi aura les mêmes caractéristiques. Le vrai Messie, il était Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Vous voyez que dans le verset 4, la Bible dit, il se proclamera lui-même Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Le vrai Messie, il était aussi un prophète. Selon Acte 3, 20, 23, selon Deutéronome 18, 18, selon Jean 6, 14. Lui aussi, il sera un faux prophète. Mais l'apôtre Paul nous dit, puisqu'il y a la présence du Saint-Esprit, puisqu'il y a la présence de l'Église encore sur terre, cela empêche à cet homme de pouvoir faire son apparition. Le Saint-Esprit est en train de lui barrer la route. Il ne peut pas travailler au même moment que le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul dit, bien qu'il fera son apparition à son temps, mais n'oubliez pas, le mystère de l'iniquité agit déjà. En d'autres termes, physiquement, il attend son temps, mais spirituellement, il travaille. Tout ce qu'on a dit ici, les miracles mensongers, des prodiges mensongers, des signes mensongers, mes bien-aimés, sur le plan spirituel, il travaille. Il accomplit ces choses. Il séduit des milliers de gens par des signes mensongers, par des prodiges mensongers, par des miracles mensongers. Au moment où nous sommes en train de parler là, cet homme, son esprit est à l'œuvre dans des corps. Dans des corps que nous appelons des ministres d'iniquité. Tous ces gens-là qui se sont autoproclamés ministres de Dieu, qui n'ont pas l'approbation divine, qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur pour pouvoir les servir,
mais qui ont touché, par exemple, des grilles de la magie, qui accomplissent tant de miracles, entre guillemets, au nom de Jésus. Ce sont ces gens-là qui travaillent pour le royaume de Satan. Le Seigneur lui-même a dit, dans son enseignement sur l'eschatologie, dans Luc chapitre 21, si vous lisez à partir du verset 8, il dit qu'avant mon retour, il viendrait des faux messies. Il dit, avant mon retour, il viendrait des faux messies. Or, vous savez que, comme je viens de dire, un messie est un oin, selon la Bible. Parce que messie, en hébreu, messie, c'est en hébreu plutôt, mais Christ, c'est en grec. Ça parle toujours du messie. En français, ça veut dire oin. Un oin, selon la Bible, selon Psaume chapitre 105, verset 15, c'est un prophète. Alors, quand le Seigneur dit, avant son retour, il viendrait des faux messies, donc le Seigneur en réalité parlait des faux prophètes. C'est-à-dire des gens qui seront influencés par la puissance de cet homme, parce que la Bible parle du mystère de l'unité, c'est-à-dire son esprit est opérationnel au moment où nous sommes en train de parler. Mais son esprit, le Seigneur, la Bible dit que c'est dans des corps. Regardez, vous savez, la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Si vous lisez 1 Roi chapitre 22, tous les prophètes, les 450 prophètes de Baal qui étaient devant Akab, ils étaient tous animés d'un seul esprit de mensonge. Lisez ce livre, vous allez voir ça. L'esprit qui parlait au travers de ces faux prophètes, la Bible dit que c'était un esprit de mensonge. C'est pareil avec cet homme. Au moment où nous sommes en train de parler, tous ces faux prophètes-là, mes bien-aimés, qui n'ont pas la reconnaissance divine, qui n'ont jamais été appelés au ministère pour servir le Seigneur, sont animés de l'esprit de cet homme. Ils accomplissent les miracles en te guillant au nom de Jésus. Ils chassent des démons en te guillant au nom de Jésus. Ils prophétisent sur la vie des gens en te guillant au nom de Jésus. Mais dans la prédestination, le Seigneur ne les voit pas. Et ils travaillent dans un quel objectif? Pour seulement séduire les gens et conduire des âmes en enfer. Jésus a dit, avant son retour, il viendrait des faux messies. Entrez sur Internet, entrez sur TikTok, vous allez voir, vous allez remarquer leur présence. Aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que nous avons l'Internet, vous pouvez tout voir sur Internet. Et l'apôtre Jean confirme la présence de ces gens à travers le monde. Lisez 1 Jean chapitre 4, verset 1er, et puis verset 2, je lis pour vous. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas les dons de discernement, qui ne discernent pas. Quand quelqu'un confesse seulement le nom de Jésus, il croit que c'est un ministre de Dieu, il croit que c'est un serviteur de Dieu. Bien-aimés, attention, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Comme l'apôtre Paul avait fait devant cette servante de Satan, cette femme qui était possédée de l'esprit de Python, qui donnait un message clair, qui donnait un message vrai, mais l'esprit qui animait le corps de cette femme, c'était un esprit de Satan. L'apôtre Paul a su que l'esprit qui prophétisait dans la bouche de cette femme, malgré elle parlait des choses vraies, mais l'esprit là, ce n'était pas un esprit de Dieu. Par les dons de discernement des esprits, l'apôtre Paul a détecté que c'était un esprit satanique. Mais bien aimé, les faux prophètes peuvent prophétiser aussi des choses authentiques, hein, des choses vraies. Mais il faut avoir le discernement des esprits pour savoir si l'esprit là, sur lequel cet homme est en train de dire de ces choses, est esprit de Dieu. La Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Maintenant, il dit, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez cela? Ça, c'est dans les versets premiers. L'apôtre Jean dit, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et dans les versets 3, il dit,
et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue. Est-ce que vous voyez cela? Et qui est maintenant déjà dans le monde? Est-ce que vous voyez le mystère de l'iniquité? Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Paul ici, l'apôtre Jean, pardon, nous aide, il dit, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue. L'apôtre Paul, il dit, il apparaîtra en son temps. Il fera son apparition. Mais l'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous dit que non. Il est maintenant déjà, son esprit est déjà à l'œuvre dans le monde. Mais l'esprit là est où? Dans le verset premier, il dit, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Est-ce que vous voyez cela? Donc ce sont ces gens-là, des ministres d'iniquité, qui accomplissent le travail de ce monsieur sous couvert le nom de Jésus-Christ. Par des faux miracles, des faux prodiges, des signes mensongers. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, leur présence est déjà dans le monde. Dans Matthieu 7, le Seigneur a dit, ils vont réclamer, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Frères enfants de Dieu, faisons attention. Même quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, 14, l'apôtre Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. L'apôtre Paul dit, des ouvriers trompeurs déguisés. En d'autres termes, ce sont autoproclamés ou s'improviser eux-mêmes. Vous comprenez? C'est ça le déguisement en apôtre de Christ. Dans le verset 14, il dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise ou en ange de lumière. Donc Satan lui-même peut s'improviser aussi en tant qu'ange de lumière ou en tant que Dieu. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent ou se proclament ou s'improvisent en ministre de justice. Tous ces gens que vous voyez qui disent serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, tous ne sont pas mandatés par Dieu. Tous n'ont pas la reconnaissance divine. Tous, mes bien-aimés, n'ont pas cette approbation divine. Dans la prédestination, Dieu ne les reconnaît pas en tant que ses ministres. Voilà pourquoi il dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait ceci? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je nous avais parlé ici, donné quelques signes pour pouvoir reconnaître un vrai ministre de Dieu. Deuxième point. Notez dans vos calepins, deuxième point. Je laisse le premier point. Nous avons des ministères reconnus par Jéroboam. Mettez entre parenthèses, pasteur renommé et non par Dieu. Je dis, deuxième point ou deuxième aspect, des ministères reconnus par Jéroboam et non par Dieu. Jéroboam ici, vous pouvez remplacer par un pasteur renommé. Des ministères reconnus par Jéroboam et non par Dieu. Chers enfants de Dieu, le fait d'établir quelqu'un dans le ministère sans qu'il soit appelé par le Seigneur, cet esprit-là dans la Bible, on le retrouve chez ce monsieur dont je parlais, Jéroboam. Parce que aujourd'hui nous avons des pasteurs renommés qui établissent les gens en tant que ministres de Dieu. Sur le peuple de Dieu, dans les églises, dans certaines églises dites chrétiennes. Mais ces gens-là n'ont pas la reconnaissance divine en eux, n'ont pas l'appel divin. C'est l'homme de Dieu en réalité qui l'a établi, qui l'a nommé ministre. Mais quand vous vérifiez, mes bien-aimés, l'appel de ces gens, vous ne voyez pas, mes bien-aimés, l'appel au ministère. Vous ne voyez pas. C'est pour cela que j'ai dit la cinquième catégorie, ce sont des gens qui se sont autoproclamés ou qui ont été établis
par des hommes. Deuxième point ou aspect des ministères reconnus par Jéroboam. Lisons 1 Roi chapitre 12, verset 31. Mettez cela en relation avec 1 Roi 13, 33. 1 Roi 12, 31. Et 1 Roi chapitre 13, verset 33. Il fit aussi des oliers sur les autels. Retenez, suivez bien cette lecture. Il a, Jéroboam, des oliers. Et la Bible dit, il établit des sacrificateurs parmi les peuples. Donc il a établi sur la tête des peuples, sur les enfants de Dieu, des sacrificateurs. La Bible dit, qui n'était pas fils de Lévi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si vous lisez Exode chapitre 24, dans les sacerdoces, dans les temples, Dieu avait appelé uniquement les fils de Lévi pour pouvoir exercer la sacrificature, pour pouvoir exercer les sacerdoces. Sur les 12 tribus d'Israël que nous avons, Dieu n'avait choisi qu'une seule tribu pour pouvoir les servir. Tous les 11 tribus n'étaient pas appelés au sacerdoce. Mais regardez ce monsieur ici, Jéroboam. Il a établi sur le peuple de Dieu des gens qui n'ont rien à voir avec les sacerdoces, avec l'œuvre de Dieu. Il a établi ces gens comme étant des sacrificataires. C'est pour ça que j'ai dit que, deuxième aspect, ce sont des ministères établis ou reconnus par Jéroboam, c'est-à-dire des pasteurs renommés. Chers enfants de Dieu, tous ces pasteurs qui sont renommés, qui sont connus, qui ont, qui haranguent des foules, qui ont entre guillemets des méga church. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont le temps de prier Dieu pour pouvoir reconnaître les ministères de quelqu'un? Ou soit pour pouvoir établir quelqu'un sur le peuple de Dieu en tant que ministre, n'ont pas le temps de chercher Dieu. Ils regardent peut-être quelqu'un qui est doyen. Ils regardent peut-être quelqu'un qui l'aime, voilà, parce que ces gens-là aiment les éloges, voilà. Puis un petit a confiance, il dit, bon, viens, toi, tu vas devenir ministre. Ce que je suis en train de vous dire, je suis dans la boîte, je connais pas mal de ces genres de bêtises dans pas mal des églises. Je connais pas mal de gens qui n'ont jamais été appelés au ministère, mais qui ont été reconnus en tant que ministre par des pasteurs renommés. Il y a certains que vous connaissez peut-être, que je peux même vous citer les noms. Quelqu'un qui était chanteur, il chantait bien. Il avait une belle voix. Mais tout d'un coup comme ça, il devient pasteur. Vous allez voir, il est allé dans une église, un pasteur rénové va poser sa main sur lui, va le consacrer, qu'il est devenu pasteur. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui à travers le monde? Des gens qui étaient des chantres, entre guillemets, de l'Éternel, mais aujourd'hui sont devenus des ministres de Dieu. Je ne dis pas que un chantre ne peut pas avoir le ministère. Mais il y a certains parmi eux, vous ne voyez pas le ministère en eux. Ils sont impliqués dans des histoires. Ils sont impliqués, mêlés dans des histoires. L'appel au ministère, vous ne voyez pas, vous ne le ressentez pas. Rappelez-vous des enseignements que je crois que c'est la quatrième catégorie. Je nous avais parlé ici, en long et en large, comment reconnaître un vrai ministre authentique, un ministre appelé par Dieu. Mais bien aimé, les ministères, on ne les fabrique pas. Les ministères, c'est un appel divin. Les ministères, c'est un don que Dieu donne à quelqu'un.
Et à quel moment on peut reconnaître le ministère dans la vie d'une personne? Je nous avais donné pas mal d'exemples. Le premier travail que Dieu fait dans la vie de celui qui a reçu un appel au ministère, c'est d'abord l'appel au salut. Dieu va débarrasser son ministre de tout ce qui est péché. Mais regardez tous ces gens-là, mes bien-aimés, qui sont consacrés par des pasteurs renommés. Regardez, mes bien-aimés, les bêtises qu'ils font au nom de Jésus. Regardez, mes bien-aimés, des scandales qu'on entend, mes bien-aimés, de la part de ces gens. Ils sont impliqués dans l'adultère. Ils sont impliqués, mes bien-aimés, dans des histoires qui n'honorent pas Dieu. Et nous allons dire quoi? Ces gens-là sont-ils réellement appelés par Dieu pour pouvoir les servir? Mais ils ont été consacrés par Jéroboam, que j'explique, des pasteurs renommés. Cet esprit-là, mes bien-aimés, ça commence depuis la nuit des temps. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 33, la Bible dit, après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Donc ce qu'il était en train de faire, ce monsieur, de consacrer les gens qui n'ont rien à voir avec le ministère, cela ne plaisait pas au Seigneur. Au lieu que ce monsieur se détourne de sa mauvaise voie, il ne voulait pas. Et la Bible dit, il créa de nouveau des prêtres, des sacrificataires, des hauts lieux. Pris par tous les peuples, quiconque avait les désirs, il est consacré sacrificataire des hauts lieux. C'est-à-dire que tu sois de la tribu de Juda, la tribu qui n'avait rien à voir avec la sacrificature, que tu sois de la tribu de Benjamin, la tribu qui n'était pas appelée à la au sacerdoce. Donc que tu sois, que tu appartiens à une tribu qui n'avait rien à voir avec les sacerdoces, Jéroboam, si tu veux devenir sacrificateur, il te consacre. Et cet esprit, on le retrouve aujourd'hui dans certaines assemblées dites chrétiennes. Vous voyez quelqu'un qui était chanteur, il vient, comme il est reconnu en tant que musicien, un musicien reconnu, en RDC, mes bien-aimés, cet esprit, on en a tellement. Nous avons pas mal de gens qui étaient des chanteurs, mais qui sont devenus des ministres de Dieu, qui dirigent des assemblées. Il est vrai que parmi eux, il y a ceux qui ont l'appel divin, ça se fait, ça se voit. Mais il y a d'autres, mes bien-aimés, qui n'ont pas l'appel divin. Qui n'ont pas l'appel divin. L'esprit de Jéroboam, de pouvoir consacrer des gens qui n'ont pas l'appel divin, qui n'ont pas été appelés au ministère. Mais retenez une chose. La conséquence d'établir une personne sur les enfants de Dieu en tant que ministre et qu'il n'a pas l'appel divin, mais bien aimé, selon la Bible, le rôle, c'est que ce monsieur-là fera, ne sera-ce que de détourner les enfants de Dieu du vrai culte ou de pouvoir adorer le véritable Dieu. Il va conduire les gens dans l'idolâtrie. La plupart des gens qui n'ont pas l'appel divin, qui ont été consacrés par des pasteurs renommés, ne conduisent pas les enfants de Dieu vers le vrai culte, mais par contre vers l'idolâtrie. C'est ça la conséquence majeure, de pouvoir établir quelqu'un qui n'a pas l'approbation divine sur les enfants de Dieu. Ils détournent les enfants de Dieu du vrai culte. Ils conduisent les enfants de Dieu vers l'idolâtrie. Parce que si vous lisez ces passages, toutes ces personnes-là, que Jéroboam avait consacré en tant que ministre, ce n'était pas de pouvoir conduire les peuples vers les véritables, pour pouvoir adorer les véritables dieux, mais de pouvoir adorer les idoles que Jéroboam avait élevées. Si vous lisez, la Bible dit, il a établi des prêtres des hauts lieux. Les hauts lieux là, c'est-à-dire là où il y avait des idoles, des divinités.
Donc l'erreur de toutes ces personnes consacrées par Jéroboam en tant que prêtre, c'est de détourner le peuple du vrai culte. D'adorer un autre Dieu que le véritable Yahweh. C'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines églises. J'ai toujours dit, vous ne pouvez pas établir quelqu'un en tant que ministre de Dieu parce qu'il a fait l'école de la théologie, parce qu'elle a fait des écoles bibliques. Ça, c'est une grave erreur. La théologie, c'est comme toute autre science. C'est comme la science infirmière. On peut faire la théologie, mais sans être appelé au ministère. Tu fais la théologie, mais tu n'as pas l'appel au ministère. C'est juste pour avoir la connaissance biblique. Dans l'école théologique, on ne donne pas à quelqu'un le Saint-Esprit pour pouvoir guérir les malades. On ne donne pas aux gens la puissance. On ne donne pas aux gens les dons des miracles. On va vous donner seulement la littérature, les Grecs et l'Hébreu pour connaître les mots, quelques faits historiques, c'est tout. Peut-être l'herméneutique et puis l'exégèse, c'est tout ce qu'on donne dans les écoles théologiques. Mais au-delà de cela, l'esprit de pouvoir interpréter la parole, on ne vous donnera pas. La puissance pour guérir les malades, on ne vous donnera pas. On ne vous donnera pas. Mais celui qui est appelé par le Seigneur lui donnera même la capacité surnaturelle de pouvoir guérir les malades, de pouvoir convaincre même les cœurs des pécheurs. Il aura la puissance de Dieu parce qu'il est mandaté par Dieu. Quelqu'un qui a décroché un diplôme en théologie, dans certaines assemblées, s'il vient seulement, il brandit son diplôme et puis on dit, bon voilà, il a étudié, il est pasteur en théologie. On le consacre. Ça, ce sont des ministères reconnus par Jéroboam et non par Dieu. Parce que si vous lisez la Bible selon Actes des apôtres, les apôtres, pour pouvoir reconnaître le ministère de quelqu'un, ils priaient, ils jeûnaient. Avant d'établir quelqu'un ministre sur les enfants de Dieu, mais bien aimé, les apôtres, la Bible dit, ils priaient, ils jeûnaient. Il faut prier. Parce que si vous ne priez pas, quelqu'un qui a fait la théologie, il peut être un sorcier, il peut être un magicien. Maintenant, il vient seulement, il vous montre son Dieu. Regardez-nous, l'église où moi, j'ai commencé à servir Dieu, quand j'étais vraiment très très jeune, le pasteur de cette église, c'était une église communautaire, le pasteur de cette église-là, c'était un pasteur qui avait fait l'école théologique. Il connaissait, voilà, tout ce qui est l'hébreu, le grec, et tout. Il peut vous expliquer ce que c'est l'herméneutique, ce que c'est l'exégèse. Il peut vous expliquer tous ces mots, tous ces termes. Mais il était un grand sorcier. Il était dans la sorcellerie. Mais posez-vous la question, comment il était arrivé à diriger cette assemblée-là, là où moi je priais Dieu. Comment il était arrivé là? Parce que les gens ne tenaient pas compte de la spiritualité, ils regardaient les diplômes. Ils regardaient, bon, il est pasteur en théologie, il est licencié en théologie. Bon, on dit, bon, il connaît les Grecs, il connaît l'herméneutique, donc il peut bien interpréter la parole. Pour eux, c'était fini. Alors que le monsieur qui avait fait cette école théologique, qui avait ses diplômes de licence en théologie, il était un sorcier. Vous voyez? Ça, c'est le danger, mes bien-aimés. Et c'est ça, c'est le comportement de tous ces assemblées communautaires. Là-bas, ils ne tiennent pas compte de la spiritualité. Bon, même si tu expliques bien la parole et ils regardent les diplômes en licence en théologie, si tu as ces diplômes-là, ah là, on peut te considérer en tant que ministre. Je connais un ministre, entre guillemets, un faux ministre, qui m'a ignoré en tant que serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit non, moi j'ai fait la théologie, lui il n'a pas fait l'école théologique, donc moi j'ai fait la théologie, moi je suis pasteur en théologie, tout ça, il m'a ignoré.
Mais si vous regardez la manière dont il expliquait la parole aussi, le pasteur en théologie, c'est compliqué. Et vous allez le voir, il est dans tout ça. Le frère David connaît ce monsieur. C'est un menteur. Vraiment, c'est compliqué. Mais pasteur en théologie. Et il est reconnu dans une église, dans des églises communautaires, des assemblées de, voilà, entre guillemets. Mais les apôtres, ce n'était pas comme ça. Ils reconnaissaient le ministère des gens. Les apôtres priaient, je vous renvoie dans Acte 13. On n'a pas reconnu le ministère de l'apôtre Paul parce qu'il avait fait l'école de Talmudique. Parce que l'apôtre Paul, il connaissait la Torah. Il était pharisien. Mais il n'avait pas amené son diplôme qu'il avait décroché à l'école talmudique. Non, moi je suis docteur voilà, à l'école talmudique. Bon, je connais la théologie. Donc je connais comment interpréter la Torah. Non, il n'était pas venu. Les apôtres, ils ont prié. C'est le Saint-Esprit qui a confirmé le ministère de Paul et le ministère de Barnabas. Il dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour la mission sur laquelle je les ai appelés. Est-ce que vous voyez cela? Pour pouvoir reconnaître le ministère d'un serviteur de Dieu, la première des choses qu'il faut faire, on prie. Il faut que Dieu confirme l'appel de son serviteur. Deuxième des choses, on reconnaît aussi un ministère d'un serviteur de Dieu sur la base de doctrine, sur le plan doctrinal. Comme les apôtres avaient fait pour l'apôtre Paul. Si vous lisez Galates chapitre 2. Avant que les apôtres ne puissent pouvoir donner le mets d'association à l'apôtre Paul, ils l'ont d'abord laissé prêcher. Donc, on l'a donné la chair, on dit, prêche-nous la parole. Pendant que Paul était en train de prêcher, les apôtres, comme ils avaient le Saint-Esprit, ils ont regardé la manière dont celui-ci était en train de marcher sur les Écritures. Ils ont compris que celui-ci, il a l'appel au ministère. On lui a donné la main d'association. C'est comme ça. Mais tous ces modèles-là que la Bible nous présente, ce n'est pas ce qu'on voit dans les églises communautaires. Là-bas, c'est la théologie. Donc, tu décoches un diplôme. Même si et aujourd'hui, nous avons des écoles théologiques aussi, des francs-maçons. Est-ce que vous le savez, cher enfant de Dieu? Vérifiez sur Internet des écoles théologiques qui sont fondées par des francs-maçons. Regardez tout ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de fausses doctrines dans nos assemblées qui nous ont amené ça. Ce sont ces gens-là qui ont fait des écoles théologiques. La majorité qui n'ont pas l'approbation divine, qui n'ont pas l'appel divin. Ils nous ont amené pas mal de choses. Un jour, j'ai parlé avec un pasteur qui a fait la théologie. Il était en train de me raconter que non, voilà, moi j'étais parti en mission dans un pays quelconque. Et quand je suis arrivé là-bas, et on voulait faire le repas du Seigneur, ce qu'on appelle communément la Sainte Cène. Mais comme il n'y avait pas du pain, il a pris un truc comme chez nous, on appelle le chikwang ou le manioc. Il a pris ce truc-là, il a fait le repas du Seigneur avec les gens de ce pays-là. Voilà, il a fait le repas du Seigneur avec les manioc, avec le chikwang. Moi, je lui ai posé la question. Est-ce que ce que tu avais fait là, est-ce que tu as respecté la doctrine que les apôtres nous ont léguée? Mais bien aimé, vous savez que ces gens-là sont très charnels. Sa femme était là. On était à table, on était en train de manger. Il s'est énervé comme pas possible. Il commençait à me lancer des missiles. Pourquoi? Parce que je lui ai dit seulement la vérité. J'ai dit, est-ce que c'est ce que tu avais fait? Tu avais respecté la doctrine. Mais bien aimé, vous savez la doctrine c'est quoi? La doctrine, ce sont des enseignements que les apôtres nous ont légués. Ce sont des pratiques que les apôtres plutôt nous ont laissées. Ces pratiques-là, mes bien-aimés, on les respecte telles que les apôtres nous l'ont présentées. Donc, vous ne pouvez pas les changer. Comme par exemple, les repas du Seigneur. On utilise une seule coupe. C'est le modèle que les apôtres nous ont prêché. On utilise un seul pain. Et le pain-là, ça doit être un pain sans les levains. Le baptême, par exemple, au nom de Jésus, dans une eau qui coule. Ça, c'est la doctrine. On ne les change pas. Mais si vous allez maintenant dans
ces assemblées-là. Vous allez voir, tout est changé, tout est compliqué. On a compliqué les choses. C'est l'école théologique. Et nous allons dire quoi? Ces gens-là sont appelés par Dieu. Pourquoi ils ne respectent pas la doctrine des apôtres? La Bible dit, l'Église est bâtie, est fondée sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Vous ne pouvez pas déplacer la borne. Vous ne pouvez pas changer les fondements. Le fondement, c'est celui-là. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc celui qui bâtit dessus, prend garde à la manière dont il bâtit. Le fondement, c'est ça ce que les apôtres nous ont légué, la doctrine. On ne les change pas. Alors, les serviteurs mandatés des ministres de Jéroboam, reconnus par les pasteurs renommés, parce qu'ils ont des diplômes théologiques, des diplômes en licence, ce sont eux, souvent, la majorité qui nous ont amené tous ces problèmes sur le plan doctrinal que nous avons dans nos assemblées. Non, le baptême, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas au nom de Jésus. La Bible dit noir sur blanc, les apôtres, notre modèle, ils ont donné le baptême. Mais vous allez voir qu'ils ont des théories qui vont vous faire mal à la tête. Mais c'est là que Dieu a appelé au ministère. Mes bien-aimés, ils respectent la doctrine des apôtres. Donc, la conséquence, comme je viens de dire, d'établir quelqu'un qui n'a pas l'appel divin, c'est qu'il conduira le peuple à adorer non le vrai Dieu, mais va pousser le peuple à l'idolâtrie. Va conduire le peuple à l'idolâtrie. La preuve en est, vous allez voir que la plupart de ces gens-là qui n'ont pas été appelés par Dieu, regardez le Dieu qu'ils présentent dans l'église, leurs églises, les dieux mammon, les dieux du social, les dieux du ventre. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas centré sur le véritable Dieu, mais sur les matuvis, sur l'argent, sur les richesses. Or, la richesse, c'est tout un Dieu, c'est le Dieu mammon. L'argent, c'est tout un Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Le Seigneur dit, « Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, le Dieu d'argent, le Dieu des richesses. » Or, quand Jéroboam établit ses ministres, ce n'est pas pour pouvoir conduire le peuple vers le véritable Dieu, mais c'est de pouvoir adorer un autre Dieu. Regardez leur message. Christ n'est pas au centre. On vous présente les choses de ce monde, les choses de la terre. Or, l'affection de la chair, la Bible dit, c'est la mort, ce n'est pas la vie. Donc, vous voyez que ces gens-là ne vous conduisent pas vers la vie, mais vers la mort. Les dieux d'argent, les dieux du ventre, les dieux du social. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. Ces gens-là sont considérés comme étant ennemis de la croix de Christ. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils vous prêchent le Dieu du ventre. C'est-à-dire le Dieu du social. Ah, vous ne mangez pas bien. Je dis, ma soeur, c'est moi ici, cette année ici, tu auras un bon travail. Ce sont de belles paroles. Parce que, et après, toutes les déclarations qu'ils font, et après, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes témoin. Ceux qui prient dans les églises de ces gens, vous êtes témoin. Moi-même, tel que je suis là, avant aujourd'hui, avant que je prêche, je commence à prêcher la parole. Nous sommes passés, mes bien-aimés, dans ces assemblées-là. Je connais. Ils ont de belles paroles. Ils vont vous faire des déclarations. Je dis, tu ne finiras pas. Là, tu as donné déjà une offrande bien secouée. Et sous l'effet, c'est comme l'effet de l'alcool. Sous l'effet de cette offrande que tu l'as donnée. Et il est en train de déclarer de belles paroles sur toi. Mon frère, je te dis, tu verras. Je suis un homme de Dieu. Je parle que cette année, ce mois issu, tu verras de grandes bénédictions. Tu attends, hein, mon œil. Il n'y a rien. De menteur, de flatteur, de manipulateur. Il prophétise matin, midi, soir. Soit quand il veut vous faire peur,
pour que vous puissiez donner une offrande entre guillemets d'action de grâce. Ils vont vous communiquer des pères par des prophéties mensongères. Ah, je vois un esprit de mort. Ah, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et après, il va vous dire que voilà, pour que le Seigneur puisse vous délivrer de cela, il faut donner une offrande d'action de grâce. On va prier. C'est-à-dire, ils sont en train de monnayer, entre guillemets, les dons gratuits de Dieu. C'est pour cela, ces gens-là seront sévèrement jugés. Des ministres de l'iniquité, des ministres de Jéroboam, des gens qui ont été établis par des pasteurs renommés sans l'appel divin, sans l'approbation divine. Ils créent pas mal de dégâts. Ils ne conduisent pas, ils ne présentent pas au peuple les véritables dieux, comme Jéroboam avait fait. Il a établi ses sacrificateurs, pas pour aider le peuple à adorer les véritables dieux, mais adorer un autre dieu. Mais bien aimé, l'amour de l'argent selon la Bible, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Quand on vous présente tout le temps dans une assemblée, mes bien-aimés, de l'argent, comment devenir riche, comme je nous avais dit ici, un pasteur qui avait créé une école de millionnaires. Regardez déjà l'école de millionnaires. Mes bien-aimés, c'est terrible. Hein? Je m'arrête ici.